Quatrième édition du tournoi de l'excellence à Agbodjedo, arrondissement de Tchada, commune du Fagne. Une initiative qui émane du généreux Anselme Aguemont, dont les mérites sont ici salués par les amoureux du cuiron du département du Plateau. Plusieurs sont nos grands frères que nous avons dans les différents milieux, mais qui n'ont jamais pensé à de telles organisations. Je ne peux que le remercier et que le Tout-Puissant l'aide dans la réalisation de toutes ces tâches. Alors, monsieur le promoteur, monsieur Aguemont Anselme, pour ce tournoi organisé dans notre localité, ce tournoi dénommé tournoi d'excellence d'Agbodjedo, je tiens à le remercier beaucoup parce qu'on a beaucoup de leaders dans notre localité, mais tout le monde n'a pas les mêmes ambitions pour pouvoir organiser cette chose. Je tiens à le remercier beaucoup. Et que Dieu le rende au centime. C'est le moment pour moi de lui dire que nous sommes derrière lui. Nous, les jeunes de la commune du Fagne, nous sommes derrière lui. Lui étant jeune, qui prend de telles initiatives, nous sommes prêts à l'accompagner. Pendant les vacances, les jeunes, il y a beaucoup de personnes qui vont chez leurs parents à l'extérieur du village. Et il a dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour garder les jeunes, pour animer le village. C'est pour ça qu'il a initié ce genre de tournoi. Et c'est la 4e édition. Et je le remercie beaucoup qu'il continue à le faire chaque année. Une initiative louable dont les objectifs sont plus que clairs. Révéler les joueurs talentueux de la commune au monde. Occuper les écoliers, étudiants et artisans pendant ces moments de vacances, histoire de les faire éviter de s'adonner à des dérives. Le promoteur veut mettre dans l'esprit de ses frères et sœurs que dans toute chose qu'on fait dans la vie, il faut chercher toujours l'excellence. Et c'est ainsi parti pour environ 2 semaines de compétition entre 12 équipes, avec à la clé plusieurs lots à gagner. Bonne chance à tous et que le meilleur gagne.